Bien bonjour. Bonjour, quelques mots d'abord. Le titre de la conférence s'appelait « Analyse de risque », analyse avec un S et conformité. Et moi, je l'introduirais sur conformité ou, pour laisser le choix, et maîtrise des risques. Alors pourquoi maîtrise plutôt qu'analyse? Parce qu'analyse, c'est plutôt technique, c'est une technique d'analyse. Et ce qui m'intéresse davantage d'évoquer avec vous, de vous poser des questions, d'évoquer des idées, c'est plutôt de politique, et une politique de conformité ou une politique qui est majoritairement une politique de maîtrise des risques. C'est ça qui me semble plus intéressant de comparer, en tout cas, ou d'évoquer. La question, c'est est-ce qu'il se pose vraiment, est-ce que c'est dual, est-ce qu'il y a une question à se poser entre l'un ou l'autre? Et au fond, dans l'idée qu'avait Lazzaro en mettant à la fois dans cette même conférence conformité et ou analyse ou maîtrise des risques, c'est bien de dire est-ce que parfois on est obligé de faire un choix ou pas. Alors je vais essayer d'avancer un tout petit peu dans cette problématique et de vous proposer quelques questions qui sont des questions ouvertes. Je n'ai pas forcément de réponse, j'ai mon avis, mais je n'ai pas forcément de réponse universelle. C'est quel choix, de quoi parle-t-on d'abord pour introduire un peu le sujet, quelles conséquences en attendre, quels acteurs et quel pilotage cela implique, quelles sont les cibles visées, et puis d'évoquer en quelques mots les conclusions, si conclusions on doit tirer. Alors d'abord, il s'agit bien de politique, hein, donc je ne parle pas de technique, mais de comparer une politique par rapport à une autre. Et pour ce qui est conformité, c'est conformité forcément à un référentiel. Alors, le référentiel, ça peut être, et bien sûr, on a tous en tête le référentiel à l'ISO 27001 pour la mise en place d'un SMSI, mais les conférences de tout à l'heure ne sont pas uniquement réservées à cela. Ça peut être aussi un cadre plus restreint tel que les informations privées, les informations personnelles. Ça peut être un référentiel métier, bancaire, santé, ou je sais pas, politique industrielle, ou informatique industrielle, process, etc. Donc, la conformité, c'est... Et je dirais, en fait, quand on évoque la politique, la question est de savoir... Ceux qui fixent cette politique sont en attente de quelle assurance? Il me semble que l'assurance de conformité, c'est je veux être conforme, je veux que cette conformité soit éventuellement opposable à des tiers s'il m'arrive quelque chose, et je veux que cette conformité soit susceptible de me de donner confiance à des tiers, à des partenaires, à des clients, à une certaine communauté. Par contre, quand je parle de maîtrise de risque, j'entends bien comme politique que l'on se fixe, et ce que je veux comparer, c'est que se fixe comme objectif finalement, d'être sûr et d'être assuré, qu'aucun risque ne soit ignoré, qu'aucun risque ne soit sous-évalué, qu'aucun risque ne soit maltraité ou insuffisamment réduit, ou insuffisamment traité pour qu'il soit admissible. Donc c'est bien d'identifier tous les risques, j'ai souligné et mis en gras tous, parce que c'est effectivement l'enjeu d'une véritable maîtrise des risques. Alors la question, c'est les conséquences que je verrais plutôt comme, finalement, qu'on prenne une politique ou l'autre, est-ce que les solutions pratiques que l'on va mettre en œuvre, parce que tout ça va s'éboucher pour un SSI, pour quelqu'un qui est en charge de la sécurité, qui est notre domaine, par la mise en œuvre de choses concrètes, pratiques, ce sont des solutions. Donc le problème, c'est quelles solutions, est-ce qu'elles vont être différentes finalement dans un cas ou dans l'autre? Alors d'abord, soyons clairs, à 80%, on aura bien sûr la même chose. Autrement dit, je me rappelle très bien d'une conférence à l'ENISA où on nous avait dit, c'est pas la peine de faire de l'analyse de risque pour nous dire qu'il faut un plan de sauvegarde pour les données critiques, pas la peine de faire de l'analyse de risque pour dire qu'il faut un plan de secours, pas la peine d'analyse de risque pour dire qu'il faut un plan de maintenance, tout ça c'est bien évident. Donc il est bien clair aussi que pour 80, quand je dis 80, j'en sais rien, c'est 80, c'est 90, mais que pour une très grande majorité des actions, ça reviendra bien sûr totalement tout de même. Et pour une raison simple, pour une raison évidente qui n'est pas que la 27001 qui est tout référentiel, le référentiel, par nature, il est basé sur des bonnes pratiques et que ces bonnes pratiques, ça va bien sûr couvrir tous les risques les plus courants. C'est un consensus de la profession, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, le fait que ce soit le consensus et que ce soit le risque courant tout le monde fait que certains risques spécifiques pourraient bien ne pas être abordés par ce référentiel.
Alors, je pense qu'ils peuvent être spécifiques, ces risques, simplement parce que c'est un métier particulier, parce qu'on a une technologie particulière, parce qu'on a un contexte de travail particulier. Et pourquoi ils pourraient être ignorés? Eh bien, là aussi, pour une chose qui est, je dirais, qui est naturelle pour une norme. Une norme, c'est par nature un compromis auquel ont abouti des acteurs, et ces acteurs, payés par leur compagnie propre, bien entendu, ils sont là pour établir des règles communes acceptables par tous. Ça veut dire qu'aucun de ces acteurs ne va accepter une contrainte qui serait liée à un seul cas particulier, qui n'est pas le cas général. Donc tout ce qui va être très spécifique ne sera pas dans la norme. Et on peut le prendre en détail et l'étudier à partir de la 27001, par exemple, et on va voir qu'il y a un certain nombre de cas particuliers qui, à l'évidence, ne sont pas dedans. Donc le problème, c'est les risques spécifiques risquent bien d'être en dehors de ce que va mettre des solutions qui vont être implantées en partant de normes. Dernier point sur les solutions. La norme, elle est essentiellement bonne pratique, donc pratique relativement technique. Et les solutions purement métiers risquent de ne pas apparaître comme des solutions évoquées directement quand on cherche à être conforme. Deuxième idée que j'aimerais aborder, quels acteurs et quels modes de pilotage? Simplement, des idées simples. Il est vrai que, me semble-t-il, dans une politique de conformité, ça exige du commanditaire l'allocation de ressources, le plein support de la démarche. Et c'est très bien. Il est clair que pour la conformité à la 27001, l'émergence de cette norme a permis un grand essor de la sécurité, a permis à tous les RSSI de se voir attribuer pour la conformité des moyens que peut-être ils avaient du mal à obtenir autrement, et que la norme a eu un effet extrêmement positif, et il est hors de question d'en discuter ici. Par contre, je dirais que ça fait reposer un peu toutes les actions sur la fonction sécurité et que ça permet peut-être à la direction de se défausser un tout petit peu de sa responsabilité de gestion de risque en disant finalement, je vous donne les moyens, soyez conformes, mais la conformité, c'est des pratiques de sécurité, c'est votre problème, c'est pas mon problème à moi, direction. Alors que fondamentalement, ce qui me semble, c'est que pour gérer les risques et pour une démarche de gestion de risque, la direction de l'organisme doit forcément être fortement impliquée dans le pilotage des risques, aussi bien pour savoir quels risques seront déclarés inadmissibles que pour savoir avec quels risques théoriquement inadmissibles il va falloir bien vivre quand même parce qu'on ne pourra pas tous les éviter. Et puis aussi partie prenante dans un planning. Qui dit gérer des risques, et c'est une difficulté que je ne nie pas, dit qu'on va étaler ça sur quelques années. Ça veut dire qu'on va admettre de vivre avec des risques dits inadmissibles et qu'on va vivre avec pendant parfois quelques années. Et que ceci implique forcément beaucoup la direction. Ça aussi, un très bon côté pour le RSSI, c'est de dire, je ne suis pas moi, c'est pas à moi de décider de quel risque on accepte, c'est à la direction de le faire. Donc c'est un mode de pilotage de ce côté-là qui me semble un peu particulier et qui n'est pas forcément accessible à n'importe quelle structure d'entreprise. Il faut encore que la direction veuille bien rentrer dans ce dialogue, dans cette prise de responsabilité. Troisième point que je voulais évoquer en introduction, donc, quelle cible vise ces politiques? Autrement dit, quels objectifs? La politique de conformité me vise très clairement comme objectif à propager une image, à donner confiance. Donc on est dans un domaine de comment je donne confiance, essentiellement quand même à des partenaires, à des clients. Autre objectif possible, secondaire, plus secondaire peut-être, parfois peut-être prioritaire, avoir une ligne de défense en cas d'incident de sécurité. On l'entend dans d'autres domaines que la sécurité de l'information, mais on l'entend très souvent au premier incident, oui, mais on était conforme. Alors, je ne sais pas si cette défense vaut beaucoup, mais c'est vrai qu'elle est quand même dans beaucoup de domaines très affichée. On était conforme, donc vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de mes actionnaires, vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires, je ne suis pas en tort. Bon, c'est un objectif parfaitement louable, je comprends très bien qu'on puisse avoir cet objectif.
Par contre, l'objectif de maîtrise des risques et de gestion des risques est un objectif qui me semble beaucoup plus interne. C'est, je vise à anticiper, à maîtriser les risques. C'est pour moi, c'est un outil de pilotage de la direction. En cas de problème, ça permettra vraisemblablement à la direction d'anticiper une gestion de situation de crise et de préparer à l'avance son discours, mais c'est plus un outil interne de pilotage d'un organisme ou d'une entreprise. En cela, je dirais, ce sont deux visions un peu différentes, compatibles certes, mais quand même relativement différentes. Bien, voilà en introduction, quelles conclusions en tirer? De ces trois aspects, peut-être y en a-t-il d'autres qu'on aurait pu évoquer, il y a bien quand même des options différentes, des choix possibles, et donc c'est ouvert, on peut choisir l'un ou l'autre. La bonne nouvelle, c'est quand même aussi qu'on peut choisir les deux, et que si l'entreprise le décide, elle peut dire je veux à la fois que vous gériez les risques, que je maîtrise mes risques et je vais m'impliquer dans la gestion des risques, et pour autant je veux en même temps que l'on soit conforme au référentiel qui est celui de mon marché, de mon client, de mon contexte. Donc, et nous aurons des exposés qui vont venir d'entreprises qui ont visé les deux à la fois. La seule chose, et ça je reviens sur ma casquette un peu effectivement, mais Harry, dans ce cas, il vous faut une méthode de gestion de risque qui soit une vraie méthode de gestion de risque et une méthode telle que Mairie. Je ne dis pas que ce soit la seule, mais en tout cas, qui vous permette, pour revenir à mes objectifs cités au départ, d'identifier effectivement tous mes risques, de les évaluer chacun individuellement d'une manière précise et de sélectionner les meilleurs traitements. Voilà. Je ne suis pas là pour faire une conférence, mais pour introduire les conférenciers qui viennent. Donc je vous remercie de votre attention et je laisse la place à mes suivants.